Et salut YouTube et bienvenue pour cette partie 38 sur Baldur's Gate 3. On continue notre aventure, on a rencontré une personne avec énormément de vie. On va aller voir un peu ce qu'il en est, savoir un peu qui c'est. Ce que je propose c'est qu'on y aille tout de suite, c'est parti. Donc on était au campement, il faut le temps que ça s'affiche, voilà. On était au campement, donc on va sortir du camp, on a dormi, il fallait dormir. Et on va aller voir ce que l'homme... Parce que l'homme nous veut. On sait pas s'il va nous parler, on sait pas s'il va nous attaquer directement, hein, on sait pas. Je sais juste que je l'ai vu et j'aimerais bien voir qui c'est quoi. Bon, on va aller voir qui c'est. Ah, c'est Ivatic. Our hero thought but of treasure ahead, did not consider the peace of the dead. Through the dark she went creeping. And awoke what was sleeping. A new grave they dug, which she herself fed. Un avertissement, ne me dites pas que vous en faites à mon sujet. Vous êtes ici depuis combien de temps à répéter votre petit discours? Vous voulez dire qu'il y a un trésor droit devant? Ah, greed. My favorite virtue. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Oh, we both know they are soon to be revealed. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can... set the scene, as it were. Prepare you for your role. There is a stage down in the dark upon which a great drama has suspended itself in time. Its actors dwell there still, mired in the languor of their long-tired scenes. If you, however, through the dark, go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Oh, critique! Parfait. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you'll have unleashed a pestilence upon this realm. In truth, it is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. Je sens bien que vous me dites pas la moitié de ce que vous savez à son sujet. Oh. J'ai raté. Ouais. J'ai un nouveau ou pas? Je peux retirer? Est-ce que je peux refaire un dé? Non. Believe me, I am not telling you half of what I know. You have it in you to author a thrilling finale, if you heed this warning. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. That much I owe the bastard to concede. Wait, before you go, I have a proposal of my own. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business, devil. My old... A long time ago, someone carved some runes into my back. I'd rather like to know what they say. It's something of great importance to your master. But is it a love letter
a warning, or a deed of ownership. I can give you all the gory details, and I will, once the beast that lurks below is vanquished and sent back to the hells. Salut Sam. Si, si, il fait très, très, très chaud. C'est infernal. Il fait trop chaud même ici. Mais bon, on fait avec. On n'a pas le choix. Oula. J'ai eu un petit freeze d'écran. Mais d'abord, vous allez devoir terrasser. De quoi parlez-vous? Marché conclu. Ouais, hein. Then we have an understanding. I look forward to our next meeting. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. Ok. Ça pue la mer quand même d'aller là-bas. Hein. Littéralement, mais on peut tester. Ça sent le caca d'aller là-bas. Mais j'ai envie de tester. On va sauvegarder bien évidemment avant, mais... Je pense qu'on est prêt pour un gros fight. Ou pas, hein, on va peut-être se faire défoncer. Hein. Qui sait? Ah, il y a une TP ici, on va aller la prendre. Ah, ça y est, on l'a découvert. Ah, quand on entend déjà les bruits. Et il y a encore un truc plus haut. Je vois que ça a l'air de continuer le chemin par là. On est où là? Ah oui, on arrive au-dessus de la maison de la guérison. Ah ok, on arrive là. Ah ok. Ah, oh, j'aurais pu sortir par là, c'était plus rapide. Bon allez go, on va aller voir ce qui se passe là-bas. On va peut-être mourir. On sauvegardait avant, mais on va peut-être aller mourir. Ah, pourquoi vous allez par là? Mais vous êtes biais. Ah par contre lui, je pense qu'on a bien fait de pas s'attaquer. Raphaël, à mon avis, c'est... Je sais pas qui ça pourrait être, mais... En tout cas, il y a assez vraiment de squelettes au sol pour dire qu'il faut pas y aller, hein. Mais bon... Moi, je suis un homme de parole. Moi, je suppose que ça va sauvegarder quand on va rentrer. J'espère. Ok, on est dedans. Du coup, on va sauvegarder. Moi-même. Hop, sauvegarde. Ouais, il fait chaud. Hein. Franchement, ici, il y a un piège, là. Non? Non. C'est très macabre, hein, comme endroit. Bon, je fouille d'abord la zone pour voir s'il n'y a pas de perception. Non. Bah, voyons voir contre quoi on va devoir se battre. Ah, c'est... Le jeu avait planté, mais non. Tuer le vieil ennemi de Raphaël, ouais. L'elfe pâle. Nous avons vu Raphaël à l'entrée du bois. Il nous a parlé de Horton. Adia Perclement, qui se cache sous le caveau. Il nous a promis de parler à Astarion de ses cicatrices et nous tuons cette créature pour lui. 34 degrés à l'ombre à Marseille. Ah ouais. Bon, ici, il fait quand même un peu moins. Hein. Je vais pas me plaindre, hein, mais. Melodia Thorm, beloved wife and mother. A Armiel Tellere Manon here. Okay.
Attends, on m'a chopé un livre là. Oh putain, faut que je fasse un tri dans... dans mes affaires, voilà. Bon, je sais pas où le combat va commencer quand je vais bouger, mais... si on peut fouiller avant, bah faisons-le. Ce serait préférable. À 34 degrés à l'ombre, ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. Ah. Ok, il a reconnu le symbole. Starion. Crochette-moi ça. Ah ouais, ok, ça doit être encore pire. Oh, vous gagnez 7 points de vie temporaire après avoir lancé un sort. Alors que vous vous battez au corps à corps. J'ai pas tout compris. Mais je vais la mettre à lui. Ah ouais, j'ai connu, hein, j'ai travaillé dans l'Eureka. Donc je sais ce que c'est, mais... ah, il y a... attends. Est-ce qu'on doit mettre 3 bougies? Je pense pas. Il y a un livre, là. Le livre, on va le réouvrir dans l'inventaire, ça n'a rien fait. Là il y a étagère, on peut fouiller. Urne. Je sais pas comment ils font pour faire rentrer un crâne dans l'urne, mais pas grave. Bon, pour le moment, on est toujours pas tombé sur le... alors, à mon avis, il doit être de l'autre côté. Le côté qu'on n'a pas regardé. Bon, bah on aura des œufs à vendre. Oh là, c'est macabre hein, comme truc quand même. J'ai fini le service de ce midi, je reprends mardi. Oh, tu reprends mardi, ça va. Congé lundi alors. À mon avis, ouais, c'est ici. Hein. Enfin, pour moi, c'est ici. Hein. Le problème, c'est que c'est une zone, on dirait, intoxiquée. Ou alors ici, plutôt. Il y a un bouton, là. Mais ouais, bon, je vois tout. Ouais. La carte du temple. Ouais, lundi, repos, ça va. Un long week-end, alors. Ouais, c'est comme si t'avais un week-end, en soi. C'est comme si dimanche, c'était samedi et... mais non, je veux pas te parler. Et lundi, comme si c'était dimanche, quoi. T'as juste ton week-end qui est décalé, quoi. Everspace, hier soir. C'est quoi, Everspace? C'est un jeu? Ça ne me dit rien. Bon, la musique s'intensifie. Hein. Ouais, sur le Game Pass. J'ai pas le Game Pass d'Xbox. Donc j'ai, à mon avis, non. Oula. Perception réussie. T'as perçu quoi? Ah oui. Ah oui, il y a des putains de sorts. Ah, c'est la merde. Et du coup, ça veut dire quoi? Que le bouton là, il sert à rien?
Et en plus, il y a deux dalles ici. Il y a une dalle là. Attends. On va ressortir de là. On prend Astarion avec nous. Si j'appuie sur le bouton, ça fait quelque chose. Ok, il semblerait que je vais appuyer sur les boutons. Sans marcher sur... sur les dalles. Oups. Ok, c'est bon. Nickel. Oula, ouais, c'est très... Attends, je me concentre. Oula. Ah, c'est bon. Du coup, attends, on va voir. Les sœurs n'ont pas l'air de se détecter. Bon, là, c'est bon. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Oh putain. Il y a du cadavre. Hein. Oh, il y a du cadavre, bon beau. Hein. La gemme de la traversée. On va d'abord fouiller ici. Ouais. Hein. Il semblait que ouais. Mais c'est possible que ça date de Steph of Decay, ouais. Ça, Steph of Decay, il y a un moment que je suis pas retourné dessus. J'attends, j'attends le 3 avec impatience. J'attends Steph of Decay 3, mais bon. C'est plus long que ce que je pensais à ce que le jeu sorte, quoi. Ça, dès que le 3 sort, je le ferai en live aussi, quoi. Le 2, j'ai joué quand même pas mal d'heures dessus. Je sais pas du tout où ça va m'emmener, mais... Ah, cinématique. Oh, c'est un ascenseur, quoi. C'est tout ? C'est une simple cinématique pour montrer ça? Ok. Hein? Il y a une perception, mais j'ai pas vu. Mais là, en fait, tu pouvais... Ah bah non, hein. Ok, bon, il a l'air de rien avoir ici. On va aller voir là-bas. Non, c'est de l'eau là-bas. Ok, il n'y a rien non plus là-bas. On va aller là. Je sais pas du tout où on va aller, mais... Il est sûr d'une chose, c'est qu'on y va. Cross from light into darkness. Give your life to the shadows. J'en ai marre de vous parler sans le faire exprès.
Passez de la lumière à l'ombre, abandonnez vos âmes aux ténèbres. Ok, ça pue vraiment, on va sauvegarder. Everspace est un jeu de tir spatial de type roguelike pour un joueur avec progression persistance. Ah, je regarderai. Je regarderai sur internet ce qu'il en est. Offer your pain to Shah's embrace. Hear the night song. Oh là 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 là. Où est-ce qu'on atterrit, bordel de merde? The answer lies in darkness. Shah's warriors must not be caught, must not be tricked. Only loss awaits the unworthy. The fuck, il y a tellement de trucs ici. Alors, je suis sûr que elle va me péter les couilles. Il y a une autre porte massif là. Oh putain, mais c'est énorme où on est. Il y a les champignons. Qu'est-ce qu'on fait? On voit directement ce que ça vaut le truc. Putain de merde. Ok, on peut pas s'approcher de ce truc. J'ai pris des dégâts? Non. Je vais réessayer. Ok. Il y a un truc à faire. Bon, ici, il y a... Il y a un sort. Désamorce un peu ça, s'il te plaît. Merci. Non, mais j'étais pas tout près, là. Là, il y a un piège aussi. Ah bah une fois qu'il sera sorti, je vivrai ma meilleure vie. Ici il y a un crochetage à faire, il y a quoi derrière? Oh putain, ça continue. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça continue. Là, j'ai bien fait de ne jamais utiliser mes trucs... de piège. Les serpions ratés. Ah, il y a un piège ici. Mais j'ai l'impression que le piège il fait rien en fait. Du coup, je les amorce pour rien. Enfin, c'est une impression, hein. Ouais. Oh, il y a une manivelle ici. Ah. Ah, elle a fini de... Oh putain. Mais... Y a plus la zone. Mais y a plus sa zone! Je sais même pas ce que j'ai ramassé. Sûrement un truc d'alchimie. Bon, sûrement un truc d'alchimie. Je sais pas. Bon, tant pis, on y va. Ok, je suis aveuglé. C'est pas grave. Être aveuglé, c'est pas grave. Ah, c'était à sa zone et revenu. Attends, vous voulez bien sortir de la zone Ah, vite, s'il vous plaît. Oh putain, j'ai tellement pris tarif. Je
What the fuck? Ah bah attends, le piège il va se remettre. Ah, je vais devoir désamorcer. Je sais pas combien de trucs j'ai en fait. Succès. Ah oui. Si c'est illimité, pour me prendre tout ça dans la gueule. Hein. Bon, il y a un truc à faire à mon avis avec les encensoirs. Je l'attends aussi, ouais. Je l'attends, on verra bien ce que ça va donner. Je l'attends et puis on verra bien quoi. Alors ici. Ah bah elle va me retaper dessus. Mais non, moi je suis pas. C'est bon, comme toi. Non mais attends. Les amorces. Là, je passe mon temps à désamorcer des pièges ici. Oh, succès critique. Succès critique, putain, deux fois. Alors attends, il fallait faire ça. Ah, si on peut descendre les trucs, c'est quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire avec. Maintenant, savoir quoi, ça j'en sais rien, mais. Il y a quelque chose à faire avec. Oh, je t'en supplie, marche pas dessus, hein. Putain, Marjorie. Viens là. Je peux pas le désamorcer ce piège là, ok. Et là je descends le dernier levier. Ok. Du coup maintenant, qu'il faut faire. Attendez là. Si je me rapproche, est-ce qu'il me tape encore sur la gueule? Oui. Du coup maintenant, si je coupe les encensoirs. Mais non, mais. Comme tes nerfs. Mais oui, non, il en reste encore, je suis trop con. Heureusement que je prends pas de dégâts. Ok. Du coup, là, je dois suivre un chemin. Semblerait. Oh non, en fait, il me montre le chemin que je dois suivre pour accéder au truc. Ah, c'est bon. Alors, on va prendre elle, bien évidemment. Alors, il faut aller ici. Avance encore un peu. Nickel. Ok. Alors attends, parce que j'ai vu qu'il y avait une porte là. Elle est où? Impossible d'atteindre. Impossible d'atteindre. Hein? Mais là, c'est d'où on vient, non? Oui, là, c'est d'où on vient, ok. Oui, juste, on est arrivé comme ça. Donc là, il y avait une porte. On va aller là. On va aller fouiller. Je le ferai sûrement aussi. Je le ferai sûrement aussi en live, Starfield. À mon avis.
night comes in a thousandfold way. Y'a rien d'autre. Ah, y'a une... Ok, donc ça c'est fouillé. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est tout noir ? S'est passé le temps que j'aille là ou alors c'est à moi, je suis aveuglé. Ah oui, je prends des dégâts en plus. What the fuck. Mais c'est hors de là. Mais oui, mais t'es trop conne. Je suis aveuglé comme ça. C'est elle qui aimait tout bien aveuglement et elle me demande d'aller là-bas. Et la porte ici, elle met nous parce que je reviens aller voir là-bas. Moi, vas-y, voilà. Je vais prendre des dégâts, mais c'est pas grave. Où est-ce que... Oula. Oula, le jeu. Le jeu. Ah. Oh. What. What. J'ai eu une fois un bug ici où j'avais un perso qui était bloqué ici. Par contre, je veux bien récupérer. Je me vois là, mais je peux plus retourner sur moi. Ah voilà. Maybe I need more pockets. Ah mais du coup j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est une mauvaise idée, j'en suis sûr, mais... Surtout d'y aller tout seul, mais j'ai envie de voir. Il y a un coffre, mais là ça pue le combat. Il y a une porte ici, donc à mon avis on pourrait y accéder par l'intérieur. Pardon. On reviendra ici.
Je suis plus aveuglé là. Vas-y, venez me rejoindre. Qu'on dégage là. Moi, je vous en supplie, ne mourrez pas. Merci. Oh putain, on a tellement pris tarif. Oh, il y a déjà les archers d'élite reconstitués. Oh là là, mais où est-ce qu'on est? Oula, cinématique. Ils vont m'attaquer. You do not belong here. Your mind upends. Somehow, in the decayed soup of this creature's brain, a tadpole lives. Another presence nurtures it, manipulates it like a puppet. You plunder! You meddle! You upset my plans. Leave! Zrelak's imagination. Zrelak's faith. Zrelak's in many ways, but I do not. Leave before. Stupid worm infested cockhead! You have awoken the shadows! My forces are split. The fences are thin. Rally on me. A wall of bone and blade against the darkness. Now! Ok. Oh putain. Ça, c'est de la baston. Il y en a un paquet. Ah putain. Ouais, donc en premier temps, je pense qu'il faut détruire ça. Hein. La boule, là. Moi, il n'y aura plus d'amis déliés, enfin, il n'y aura plus de personnages qui viendront me péter les couilles. Oh, je l'ai raté, ouais. Thank you.
Je m'en fous qu'il tombe en fait. Hein. Comment j'arrête cette putain de lame là? Tu veux pas arrêter tes lames là? Je pourrais pas, je vais pas pouvoir aller fouiller sinon. Ah ouais, je me prends des nuées de dagues. Oula, c'est quoi ça? Une bête éclipsante, je sais pas. Oula. Quoi, elle s'enfuit? Ah, sauvegarde, ça pue. Je crois qu'il y a un truc au fond du gouffre. Je sauvegarde avant. J'ai pas remis la webcam. Y'a nous qui a un truc de vol, non? Ben non, un truc pour la chute. T'as pas un truc pour la chute, toi? Ah, c'est lui. Ok, non, on peut pas aller. C'est la mort assurée. Ah, je croyais qu'il y avait un truc en dessous. Ok, non. Tant pis. Pour moi, on peut pas y aller. Du coup, j'ai utilisé une compétence pour rien. Oh, c'est gigantesque. Il y a tellement de trucs à fouiller dans cette zone. Ça y est, je suis trop lourd. Ah, dans ma bourse d'alchimie, ça pèse lourd, on dirait. Oh putain, ouais, ça pèse lourd, ça. Oh, j'ai récupéré pas mal de poids, là. Hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Non. Hop, hop. Déjà, mets tout en vente. Du coup, tu resélectionnes tout.
Voilà. Oui, ma bourse d'alchimie qui a l'air de prendre pas mal de poids. Bah non, 8. Ça va encore, il y a pire quoi. Bon, dans le pire des cas, je peux la donner à quelqu'un d'autre. Hein. À elle, par exemple. J'avoue que j'ai pas mal de trucs d'alchimie, ouais. Tac, 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 tac. Ah oui, j'en avais un paquet, un truc d'alchimie. Voilà. Ok, comme ça c'est bon. Alors attends, parce que j'ai des potions, que c'est lui qui doit les avoir. Ah, c'est pas les mêmes? Ah non. C'est lui qui normalement garde les potions, les parchemins aussi. La musique n'est pas du tout rassurante. Ok. Bon, j'ai récupéré un peu de poids, donc c'est déjà pas plus mal. What the fuck, quoi. On est où, là? Wow. Où est-ce qu'on a atterri, bordel de merde? Ici, ouais, j'avoue, qu'est-ce qui s'est passé, putain? Bah oui, il y a la bête là. Pneumatique. Merci Sam. Une bonne après-midi à toi. Fresh entertainment. But you're too fresh for this place, aren't you? There's a whiff of the surface to you. A new arrival then. You burrow too deep. Rabbit. I don't talk to prey. There's something else, almost hidden by your fear stink. Cherries. Musk. And sulfur. Raphael. I can smell him all over you. Where is he? That perfume trickster swindled me, trapped me. And kill it.
tell me what I want, or I'll feed you to my pet over a tender and keep you alive to watch. Bargaining, are you? A Karator warlord once tried the same. I made him watch as I ate his concubines in Young, then fashioned a codpiece from his skull. You can't help. It's not just walls that keep me here. Not the traps, the dark, or the creatures it hides. Something stronger holds me. A contract. Either I fulfill the contract, die trying, or forfeit my freedom. If I leave this place now, I'll become Raphael's slave. Maybe you'll find a crossbow bolt down your throat easier to manage. Spill all the blood sworn to the night. Silence or prayers smother each rite. Wondershaw's halls hungry to slay. Leave no justice here, alive to obey. Leave none to hear it, then be set free. This song is your oath. Swear it to me! Well, that explains where all the dark justiciars went. The final lyrics linger in your mind. There is a trick buried within them, a clause that cannot easily be fulfilled. That's it. So he's the one who slaughtered the justiciars. Can we kill him now? Because if he doesn't die, then Raphael won't tell me a damn thing about my scars. They're waggled out upon. A song lingers. Raphael made double sure of that. I can't forget the damn thing so long as my word's not finished. I did as instructed, but the song still rattles about in my head. The contract still stands somehow. If I break it, I will become Raphael's slave. Enough prattle. The lyrics are clear. All who hear the song must die. Time to die. Ouh, ça va être dur. Oh, j'ai réussi. The Meridans. They barely have a thought to share among themselves. But they do have ears. Kill yourselves. Back to the hells with you. Oh putain, 21, je réussirai pas. Ah, dommage. Oh, et en plus, j'ai fait 9. Échec. Pathetic. La Duskag once claimed she dreamt of a future where I spared her. But even her weaseling is no match for yours.
This ends now. Ok, ça y est, c'est la baston. Il est où? Ah, il est là. Il a combien de vie? Oh, il a que 105 HP. Oh, ça va. Et si on te marquait un peu, mon coco? Oh putain, j'ai pas réussi à le tractionner. What? Comme si c'était pas assez, quoi. Je suppose que je peux plus jouer à elle, je peux pas la faire reculer maintenant. Chances.
Oh, j'ai eu un échec critique, quoi. J'aimerais bien savoir où est l'autre en fait. Hein. À mon avis, il est toujours à la même place. Hein, ouais. Il est toujours au même endroit, il n'a pas bougé. Il est quelque part là, mais... À savoir où. Oh, il est là! Incroyable. Bon, j'ai fait le con, mais au moins... Moi, ça me fait pas rire, moi. Manuel, donc il doit aller... Oh, je lui fais zéro. C'est une blague ou quoi? Ah putain, je suis à terre. Ah ouais, mais il se remet visible, cet enculé. Il est là. Ta mère. Il fait bon. Quel combat. J'ai vraiment cru que j'allais y rester. T'es chouette quand même.
Il y aura quoi la gemme? Noire et profonde comme une nuit. Ok. Ouh. Ah, par contre, son arbalète là. Moi, je peux pas la porter avec elle, mais. Ah oui, mais elle, c'est la force. Lui, il peut prendre une arbalète? Ouais. Bon, on va lui mettre lui, son arbalète, hein. Joli, hein, l'arbalète, putain. Ouais, il a joué au plus malin, et au final, on a gagné, parce qu'on a fait tuer tous ces... Bon, dommage, on n'a pas réussi pour la bête de l'ombre, ça aurait été marrant. Blague quoi, je peux parler à des rats? Ouais, j'en ai fait quand même tuer 2, 4, 6, 8. Succès critique. Rats have key like all living things, but it is not usually this frenetic or powerful. Allez, raté. Nothing stands out to you. Unworthy. Unworthy to walk among friendly bones. Leave. Talking of you, intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. J'ai réussi. Rats have key like all living things, but it is not usually this frenetic or powerful. We are small but many. Leave or see what happens. Extraordinary behavior. There's more to these rats than meets their beady little eyes. Leave. Away. My nest, my dark. Mm.
one with the weave. Very well. Problème réglé. Moi qui m'assieds là-dessus. C'est mon trait, c'est mon trône, moi, c'est mon trône. Ah, il y a un coffre là-bas. Ah, il est en rouge par contre. Pourquoi il est en rouge? On va avoir de la baston qui va se passer en bas. De toute façon, on a tout fouillé, enfin on a tué celui qu'on voulait tuer. Du coup, on en est où dans les quêtes? On a trouvé la relique, trouvé Chante Nuit toujours. Nous avons découvert un temple ancien consacré à Charles. Ouais, nous ferons bien de l'explorer en sa compagnie, ok. Ouais, mais j'ai pas envie. Donc, du coup, on a réussi la mission tuer le. Ouais, tuer le vieil ennemi de. Ça, c'est bon, et on a terminé celle-là aussi, ok. Donc, on va faire un somme. Le faux, parce qu'on s'est bien battu. YouTube. Do you know what happens when the devil is struck down on this charming plane of existence? It returns to the hells, to the very point where it last stood before venturing to whichever devil-forsaken plane it died on. In the case of our friend Jurgir, the Orthon you so handily dispatched in the Temple of Shah, he manifested in my House of Hope. He returned to me chastened but intact. His wounds healed, his body restored. He thought I would dismember him. But he has his uses. So instead, I am re-educating him. We delivered the devil. Now I want what I'm owed. We had a deal. Indeed we did. I discovered all there is to know about those scars of yours. It's a rather grim tale, even for my tastes. I'd appreciate a little less enthusiasm when it comes to Cazador and his horrors. Oh, come, Star. We're about to unveil your destiny. You should be quivering in anticipation. Carved into that ivory skin of yours is one part of an infernal contract between the archdevil Mephistopheles and your former master, Cazador Zar. In full. The contract states that Cazador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. The rite of profane ascension. It promises to be a marvelous ceremony, very elaborate, incredibly ancient, and entirely diabolical. If he completes the rite, he will become a new kind of being, the vampire ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified, and alongside them he will enjoy the luxuries of the living. The arousals and appetites of man will return to him, and unlike Astarion, he will have no need of a parasite to protect him from the sun. But the ritual has its price, as all worthwhile things do. Lord Cazador will need to sacrifice a number of souls, including all of his vampiric spawn, if he is to ascend. Imagine how he felt then, when one of those precious spawns simply disappeared into thin air. The only missing ingredient is Astarion. You are the final piece he requires to complete the ritual.
Your scars bind you to it. Your soul will set off a very wave of death, bringing Cazador his twisted life. And that, my tragic and toothsome friend, is that. Now, if you'll excuse me, I have business elsewhere. Do you think it's so simple? Just another wretched toy for him to play with. But if I'm the key to this power he craves, he'll hunt me to the ends of Faerun. I need to take the fight to him, and I need you to help me. Avec plaisir. Incroyable, putain. Quelle cinématique des enfers. On a toujours parlé à Will. On discute jamais avec lui, on l'aime pas en fait. Là, on va découvrir là, mais j'ai pas découvert. Waouh. Bon YouTube. Mon ami YouTube. On va s'arrêter là pour la partie 38 sur Baldur's Gate 3. J'espère que cette partie t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. On se retrouve prochainement pour plus d'aventures. Ciao, 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 ciao.